avec la tête à l'envers. Bonjour, nous sommes le Club Web Radio. Ici, Cali et Méline. Récemment, du 6 au 16 mars, le collège a mis à l'honneur les mathématiques en organisant une semaine des maths. Nous avons donc interviewé élèves et professeurs. Voici notre reportage. Alors, durant la semaine des mathématiques, on a proposé différentes activités suivant les niveaux. Il y avait la lecture de cartes au trésor pour les 6e et pour les 5e. Normalement, il devait y avoir un escape game pour les 3e. Et en 4e, je ne sais plus parce que je n'ai pas de 4e. Et ensuite, il y avait aussi du tableur en 6e et en 5e pour la carte au restaurant. Voilà, donc, et il y avait aussi entre midi et deux, les portes, les salles ouvertes pour faire des jeux de société et des jeux de logique. À cette occasion, de futurs élèves de 6e ont pu profiter de nombreuses activités. Je suis dans le club jeux de société et j'aime bien ça. Alors, c'est le premier jour où j'y suis. On fait plusieurs jeux comme le loup-garou, des jeux de cartes. Bah, après, on peut emmener des jeux aussi. Avec mon ami, on va faire un pendu. Sinon, il y en a d'autres qui font des loups-garous ou des échecs. Voici une des activités qui a été proposée. Activités avec nos élèves en 6e, 5e, 4e et 3e pour fêter cette semaine. Avec vous, on a préparé, on va dire, des petites énigmes à faire à plusieurs. Vous vous mettrez par groupe de 3-4. Moi, je pense plutôt 4 au vu du nombre que vous êtes. Et il va falloir trouver un code secret. D'accord ? Il y en a un peu lourd, la boîte doit avoir quelque chose dedans. Donc, il va falloir trouver un chiffre à la fin de chaque énigme. Donc, à chaque fois, vous n'aurez pas... Là, on a gardé le côté plastifié hein, pour avoir la couleur. Il y a une énigme jaune, orange, violette, bleu, vert et rouge. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus de reportages, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Radio Norbert.